Salam alaikum Azul, bonsoir. Lorsque nous sommes confrontés à des situations et d'autres que nous tentons de comprendre ou d'expliquer, nous avons souvent tendance à nous engouffrer dans des rails de pensée, livrés en quitte dans des idées toutes faites. Et nous allons notre petit bout de train, de gare en gare, calfeutré dans des modes de raisonnement dont nous ne savons même pas qui nous ont été inséminés. Nous euh, appréhendons souvent la problématique par ses aboutissants et non pas par ses tenants. Nous la saisissons parce qu'elle génère des faits et non par les éléments toujours dérobés par ailleurs qui la constituent. Un peu comme si, pour tenter de comprendre le terrorisme, par exemple, nous ne nous focalisions que sur le fanatisme, sur la cruauté, sur la barbarie de ces exécutants les plus visibles, ces gens rébarbatifs à souhait, choisis parmi les plus frustes, les plus repoussants. Qui se font exploser au milieu de la foule, qui tirent dans le tas, qui égorgent des personnes parmi les plus vulnérables et qui se filment en train de le faire. Ces antithèses sur pattes de ce qu'ils prennent et de ce qu'ils revendiquent, qui vocifèrent, qui roulent des yeux, qui potionnent leur haine. Et nous succombons corps et âme dans ce prêt-à-penser qui nous est. Si puissamment suggéré, offert sur des plateaux médiatiques mercenaires, un prêt à penser qui subjugue notre sens du discernement et le désoriente, ou plutôt qui l'oriente, nous ne réagissons désormais plus que de façon tout à fait standardisée, bornée, butée, réglée au métronome, comme... Dans une partition jouée par des musiciens éprouvés, aucune fausse note ne se fait entendre. Et nous sommes sourds, sourds et aveugles au long et laborieux processus qui a précédé l'ultime mise à feu, le bouquet final de ce qui n'est rien d'autre qu'une bombe à retardement et qui vient de loin. Parce que notre pensée est une falaine qui se jette dans l'irrésistible flamme qui la fascine. Il en est de même de la crise qui est sur le point de faire basculer l'Algérie dans l'indicible, et à Dieu ne plaise, l'inéluctable chaos qui l'attend, si rien n'est entrepris d'urgent et de déterminé pour sauver ce qui peut l'être encore. Bien souvent, lorsqu'il nous arrive de chercher à comprendre, pour pouvoir nous mobiliser, et c'est tout à fait méritoire, nous procédons comme pour le terrorisme. Nous regardons le problème par le petit bout de la lorgnette, que nous nous, nous nous fourvoyons gaillardement dans les impasses, et nous perdons notre temps à rajouter du brouillard au brouillard. Plus concrètement, qu'est-ce que les plus perspicaces parmi nous voient de plus flagrant Que le système est le même depuis 1962 et qu'il est né vraisemblablement d'une volonté de détourner et de domestiquer la révolution Oui, c'est vrai. Vrai parce que démontré par des faits historiques et vrai parce que étayé par le temps. Il n'y a ni république, ni démocratie, ni état de droit, ni institution qui ne soit des façades, ni élections sincères, ni séparation des pouvoirs. Vrai, bien évidemment, parce que flagrant, parce que grossier, parce que cousu de fil blanc, parce que criant. Vrai, parce que pas un seul Algérien ne l'ignore. Que des puissances étrangères sont aux manettes. Que la médiocratie s'est transformée, s'est muée en mafiocratie, que le régime est devenu une seule et même famille, au sens mafieux et consanguin du terme. Vrai, parce que vérifiable, vérifiable par n'importe quel kidam, sans qu'il soit be besoin de mener la moindre petite investigation sur la question. Que la corruption systémique est systématique est devenu le rouage, que certains chefs de l'armée sont devenus les protecteurs du régime et ses principaux décideurs, que la vocation première des différents services de sécurité n'est pas d'assurer la sécurité de la société, mais de la fliquer, de la manipuler, de la réprimer, que la presse n'est jamais sortie de sa vocation première de collaboration et de connivence. Que les partis politiques ont été neutralisés d'une façon ou d'une autre, avec le bâton ou le fric. Que tout a été mis en œuvre pour empêcher toute velléité de contestation politique de pouvoir s'agglomérer et s'exprimer autour d'une quelconque force organisée. Vrai. Parce que ce sont là de véritables pensifs, à force d'être vrais. Vrai parce qu'ils ne. Il suffit juste d'observer l'attitude de ces entités et leur disposition à voler au secours du régime pour se convaincre de la vérité nue, de la vérité crue. Et je pourrais ainsi citer tellement d'autres évidences et autant de platitudes dans lesquelles nous nous focalisons, chacun à sa façon l'énervie et les baltagia du régime en cherchant à cacher le soleil avec un tabi, et ceux qui disent le combattre, hein, ce régime, en donnant de grands et téméraires coups d'épée à la mer. C'est ce que je fais personnellement. Tous les jours, laborieusement, obstinément, crânement, dans shootent. Qui shootent des ballons de baudruche dans des bois dessinés sur un mur. Les vraies questions, nous ne les avons pas encore posées. Nous ne les avons encore même pas posées à nous-mêmes, parce qu'elles nous mettraient face à nous-mêmes, à nos lâchetés. Le jour où nous le ferons, alors ce jour-là, nous serons enfin. Sortie de l'implacable logique de la falaine qui se brûle les ailes à la flamme qui la fascine. Ce jour-là, quand nous nous serons évadés par le petit interstice d'où perce le jour, nous découvrirons alors que la lueur d'une bougie est une bien piètre lumière comparée à l'intarissable rayonnement de l'astre solaire. Aujourd'hui. al -Watan, le mouvement Mouatana envisage une contre-attaque. Le prolongement du mandat présidentiel est un attentat à la morale par Nabil Amir. Algérie patriotique, un institut américain, Bouteflika, brigera un cinquième mandat par Saradina. Dina. Liberté, état de santé de Bouteflika et situation économique du pays. Cinquième mandat, les doutes du Parlement européen par Ali Bourlev. Algérie, avis de tempête, avec un point d'interrogation à la fin. Avec nous pour en parler, Hassan Mouali, journaliste, qui sera avec nous depuis Alger. Larbi Zouemia, analyste politique, qui sera avec nous depuis les États-Unis. Saïd Aknine, militant des droits de l'homme, qui est ici avec moi. Adel Jabbar, observateur politique, qui est avec nous depuis le Canada. Merci à vous tous d'être avec nous, nous allons commencer par Hassan Mouali, qui nous a demandé de le libérer assez tôt. Euh, Hassan, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, un plaisir. Merci. Alors, Hassan, d'abord, euh, euh, ce communiqué de Mouatana, qui considère euh, que le prolongement de l'actuel mandat est un attentat à la morale. Je suis tenté de, de demander, c'est tout Un attentat à la morale, c'est tout Enfin, globalement, de, 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 du respect des échelles, du calendrier électoral et, des, et de, ce, ce, soi-disant, la légitimité des institutions, son credo. Donc, euh, euh, qu'il recourt maintenant à, à qu'il torde le cou à la Constitution, euh, le placerait en, en porte-à-faux avec, euh, avec euh, euh, sa façon de gouverner, de, 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 sa prétention de, de de, 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 de démocratiser le pays. Donc, euh, c est, c est un, ce serait un précédent grave dans l'histoire de l'Algérie euh, depuis 62. Ce, ce sera la, la première fois qu'on qu foule au pied la, la constitution. Euh, alors que Bouteflika peut à loisir souffrir un cinquième mandat, c'est clair. Euh, du moins constitutionnellement, il a le droit de se représenter. Donc, je ne vois pas. Et beaucoup d'observateurs de, de, politiques et acteurs associatifs en Algérie ne comprennent pas cette histoire de prolongation du, du mandat du président et du report de l'élection. Euh, donc, à ce moment-là, le, le mouvement Bouattaya. Euh, comme tout le monde euh, condamne, euh, parce que c'est un retour en arrière, euh, ce, ce n'est pas du tout acceptable. Euh, mais, euh, Jamal, si tu me permets, j'ai comme l'impression que euh, Amrou et, 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 et son ex-collègue, donc Abdel Makri, ils sont en train de, de, de faire une espèce de diversion politique, voilà, donc euh, euh, polariser l'attention des Algériens autour de cette histoire de repos et de prolongation du mandat. Une, euh, de diversion Diversion, pourquoi, Hassan pour nous occuper, pour préparer autre chose, pour nous sortir un lapin du chapeau Moi, je pense qu'il va y avoir, il finira par se représenter, un cinquième mandat. Parce que je pense que... J'essaie de répartir à peu près équitablement le temps d'intervention. Saïd Aklin, qu'est-ce que énigme où il y a, on comprend plus. Il est destiné à quelque chose, euh, il joue euh, le lièvre euh, et il fait diversion. C'est quoi cette histoire Si vous permettez, j'ai une expression que je n'aime pas trop utiliser, de par la charge de souffrance qu'il y a dedans, mais aussi je n'aime pas heurter personne. Le comportement d'Uria est le comportement d'une femme répudiée qui danse à tous les vents. Il est venu ici en France. Je vais vous donner quelques petits exemples de rien du tout. Il est venu ici en France pour euh, se vendre, se transformer en, 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 en truc marketing pour dire à la France, je vous donne des assurances, aidez-moi, soutenez-moi pour que je sois président. Il qualifie... Le, les le, je, juste, juste une petite observation, Saïd, parce que j'étais en train de réfléchir, je devais vous interrompre au nom. Euh, moi, je suis tenté de dire « Hacha la femme répudiée ». Exactement, « Hacha », exactement. La femme répudiée que, peut être une femme honorable à son exactement, honneur. Exactement, exactement. C'est euh, ça que voilà, j'ai voulu ouais. dire. Hein, C'est ça, ça que j'ai voulu oui. dire. Oui. « Hacha », lui, il n'est même C'est un sous-produit de la répudiation. Un sous-produit. Ce produit du DRS, du Toufik, tout le monde connaît, tout le monde sait... Dans les années 90, il était radicateur et puis par la suite, il, nie, il dit, je ne l'ai jamais été. Moi, j'ai des coupeurs de presse où il avait un certain nombre de choses. Euh, Aujourd'hui, certains essayent de nous le vendre et lui-même, il est dedans. Il reçoit Ben Silman euh, parce qu'il a eu l'injonction pour faire plaisir aux États-Unis pour leur dire, euh, voici, moi je sais mettre de l'eau dans mon vin et faire face, et, y compris à, à l'opinion, et je vais. Dans les années 90, il a viré combien de, de cadres, et il les a emprisonnés. Et si réellement ceux qui nous disent aujourd'hui, y compris lui, qui est venu ici en France pour qualifier, qualifier, les, les, les maquisards, des morts, est-ce que vous vous rendez compte de la charge symbolique de cette... Euh, de se sumer, de l'acheter pour se vendre. Aucun n'a osé faire ça. Mais c'était dans ses gènes. Quand il a été justement copté la cooptation, ils ont étudié ce personnage, il avait dans ses gènes, ses critères, de corruptibilité en matière et de corruptibilité intellectuelle. Si réellement il connaît l'État, il maîtrise, il peut ramener à la réussite, il peut ainsi de suite. Il aurait fait de l'Algérie un, 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 un Eldorado. Pendant 20, ans, pendant 20 ans, il était Premier ministre. Pendant 30 ans, il était dans les affaires de l'État. C'est quoi le résultat aujourd'hui La jeunesse, elle a un, un intervalle bien déterminé. Entre la Hagra et la Haraga. Son résultat aujourd'hui, c'est la haraga. Voici le, le constat d'échec. Le plus grand constat d'échec d'Uyahya, oui c'est la haraga. Le plus grand constat d'échec de, de oui c'est ce, ce, ce jeune homme qui s'est suicidé aujourd'hui à el Kifen. Ce, son constat d'échec, vous savez, une vie humaine, parce que, y compris dans l'opposition organique, certains utilisent euh, des situations et des détresses pour pouvoir encore une fois faire leurs offres au système pour qu'il euh, qu qu les accepte. oui c'est le plus grand échec. oui c'est la catastrophe. ya comme je l'ai dit à un certain moment, de la guerre contre les civils à la guerre entre les civils. Merci euh, Saïd Aknin, merci Hassan Mouali, merci Larbi Zouaimia, merci Adel Jabbar. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission.